Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois pour notre émission La parole inspirée. Ce soir, je reçois pour vous un invité que nous avons déjà reçu, qui revient nous voir aujourd'hui, Monsieur Herman Moutima, évangéliste. Donc, comme à l'accoutumée, je vais vous demander de vous tenir prêt, d'être à l'aise sur vos fauteuils, pour pouvoir écouter, vous instruire sur la parole, sur la méditation, ensemble. Alors, Monsieur Herman Moutima, bonsoir. Bonsoir, merci. Heureuse de vous retrouver encore une fois ici sur le plateau de la parole inspirée. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons traiter parle de qui veut être guéri. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alors, pour ça, nous allons nous appuyer sur d'abord sur deux passages de l'Évangile. Très bien. Dans l'Évangile selon Jean. Jean, chapitre 5, Très bien. versets 1 à 9, et l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. Très bien. D'accord. Vous pouvez lire, Nancy. D'accord. Alors, Jean, chapitre 5, du verset 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Donc voilà pour Ça, Jean. c'est la première lecture. Nous pouvons voir maintenant la deuxième lecture. Donc la deuxième lecture est dans Luc, chapitre 4. Au verset 16 à 19. Donc, je lis de nouveau au nom de Jésus-Christ, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Il a... Qu'est-ce que Jésus dit? Vous pouvez Il a relire? été oint. Pardon. Pour... Pour excusez-moi. Donc parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire guérir un cœur brisé? Est-ce qu'un cœur, on peut guérir un cœur qui est brisé? Ça veut dire quoi? Lisez la phrase qui vient après ça.
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Arrêtez-vous là-bas. Captif, il fait quoi? Il les libère. Mmh. Donc, ici, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses par rapport à ce qu'on appelle la guérison. D'abord, dans la première lecture, on nous parle de Jésus qui va là où se trouve une piscine. Et cette piscine, la particularité, c'est ce que c'est un lieu où un ange descend de temps en temps. Et quand l'ange descend, la personne malade qui tombe la première dans l'eau est guérie. Et on nous dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nombreux malades autour de cette piscine. Et la Bible nous dit, Jésus est passé par là. La question que je me suis toujours posée, il y avait beaucoup de malades, on dit même de nombreux malades, des aveugles, des paralytiques. Comment Jésus-Christ est allé seulement vers celui-là? C'est une question que vous et moi, nous pouvons nous poser. Nous voyons dans ce récit plusieurs étapes. On ne nous dit pas de quoi a souffert cette personne. On nous dit qu'il a souffert pendant 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Et puis, la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ, sachant qu'il était malade depuis longtemps, vient vers lui et lui pose la question. Je crois qu'il doit s'agir d'une provocation. Parce que lui, il est Dieu, il connaît tout. Il vient vers quelqu'un qui a fait 38 ans au bord de la piscine pour avoir une guérison, mais il n'arrive toujours pas. Et lui vient, au lieu de le secourir, il lui demande, veux-tu être guéri? Qui répondrait autrement à cette question? D'ailleurs, je dois avouer que le malade, là, est gentil. Parce que si c'était de notre temps, tu ne connais personne, tu es là depuis 38 ans en train de chercher ta guérison, et quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient, qui te demande, veux-tu être guéri? En tout cas, de notre temps, quelqu'un a toutes les raisons de se fâcher. Mais ici, nous voyons que Jésus-Christ va vers lui, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui pose la question. Et le malade, au lieu de se fâcher, se calme. Il commence à raconter, parler de son cas. Voilà, je n'ai personne pour me soutenir. Lorsque je vais entrer dans l'eau, il y a quelqu'un qui me précède. Et c'est pour cela que je suis ici, je n'arrive pas à avoir une solution. Et Jésus-Christ, qui lui dit, prends ton lit et marche. Je me suis toujours posé la question, si ce monsieur avait pris une colère contre Jésus, qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que Jésus allait lui dire, prends ton lit et marche? Donc ici, il y a toute une démarche. Mais avant d'arriver à expliquer cette démarche, je voudrais d'abord qu'on puisse revenir sur ce que nous avons lu dans la deuxième lecture. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés.
Avoir un cœur brisé. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un puisse avoir un cœur brisé? Il y a beaucoup d'entre nous. Nous sommes malades, mais nous ne savons pas que nous sommes malades. Parce que lorsqu'on parle d'un cœur brisé, il ne s'agit pas d'avoir des maux de tête ou avoir les paludismes, mais, ou bien c'est plus que ça. Mais Jésus dit, par rapport à cela, lui est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je connais une famille où les filles, les garçons peuvent se marier et avoir des enfants. Mais les filles, lorsqu'elles se marient, plus d'enfants, pas d'enfants. Peuvent faire des enfants en dehors du mariage, mais si elle se marie, normalement, pas d'enfants, pas de grossesse. Ça, c'est une situation qui provoque qu'un cœur se brise. Et c'est ce que nous appelons aussi, dans ces cas-là, la captivité. J'ai connu aussi un de mes chefs il y a longtemps. Tous les garçons de cette famille-là, à 50 ans, 50, hein, 5-0, ils mouraient de la même maladie, des problèmes au niveau du cerveau. Le grand frère meurt à 50 ans, le frère qui a suivi à 50 ans meurt, toujours la même chose. Ça, c'est une famille qui est en captivité. Mais ce qui est bizarre, c'est ce que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, qu'ils sont dans cette situation. Je connais aussi un couple où chaque fois que la femme est enceinte, ça n'atteint jamais 4 mois. 3e mois, avortement. Si vous êtes dans une telle situation, vous êtes dans une situation de captivité. Il y a d'autres personnes qui, dans leurs affaires, tu commences une activité. L'argent arrive. Et dès que l'argent est là, des problèmes du monde entier viennent s'abattre sur toi. Tu sors l'argent, il y a ceci, il y a des malades dans la famille, et puis tu n'as plus rien. Et tu recommences. Tu arrives encore à avoir l'argent. Au moment où tu as l'argent, d'autres problèmes surgissent. Ou un décès, ou je ne sais pas quoi. Tu n'as plus rien. Et tu ne progresses pas. Ça veut dire que tes affaires sont en captivité. Et ces genres de situations arrivent à ce que le cœur de quelqu'un soit brisé. Et vous voyez, la plupart des gens, vous les voyez, ah non, il s'est pendu. Parce que il était dans une situation où il ne savait plus quoi faire. Donc, la maladie dont nous parlons ici, quand nous parlons de la guérison n'est pas seulement physique. Oui, elle est aussi physique. Elle est aussi physique. Mais elle n'est pas que physique. Elle peut concerner tout votre être. Ça peut concerner votre couple. Le mariage, c'est un endroit où ça doit être le bonheur. Mais dans certains couples, c'est l'enfer. Et les maris, la femme, ont les cœurs brisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que
il faut arriver à évaluer la situation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne font pas cet effort d'analyser la situation, de voir, mais tiens, pourquoi est-ce que mon papa avait telle situation, moi je l'ai, tiens. Et mon fils aussi a ça, tiens, mais pourquoi? On ne fait pas cette analyse. Si on faisait cette analyse, on pouvait découvrir qu'il y a un problème de captivité dans la famille. Monsieur Herman, excusez-moi, est-ce que alors on peut parler de problème d'âme ou d'esprit? Les problèmes ici, il n'est pas physique. Lorsqu'on parle de l'âme, de l'esprit, c'est ce qui n'est pas physique. Mmh. Et lorsque vous vous trouvez dans une situation où ton mental est affecté durablement, à ce moment-là, c'est un problème qui est au niveau de la spiritualité. Mmh. C'est pour cela qu'il est important, quand il y a des situations qui arrivent dans notre vie, qu'on puisse arriver à analyser ces situations-là. Il faut d'abord les connaître. C'est pour cela que même physiquement, pour qu'on vous donne des soins, il faut que vous alliez chez un médecin. Mmh. Et que les médecins puissent établir un diagnostic pour savoir, voilà, vous avez les cancers, vous avez ceci, vous avez cela. Et beaucoup, beaucoup d'entre nous, on ne fait pas cet exercice. Nous ne faisons pas cet exercice-là. Nous sommes dans une situation de captivité qui dure des années et des années, mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien, nous sommes là statiques. On divorce, on marie, on se dit, on divorce, bon, c'est normal. Et on va encore prendre une autre femme, et deux ans après, on divorce. Bon, on trouve que non, parce qu'on est un beau gosse, ou je ne sais pas quoi. Et après, la deuxième femme aussi, on divorce. Et on trouve que non, c'est bon. Mais vous ne savez pas que vous êtes dans une situation de captivité. On m'a raconté, il y a même une semaine ici en France, qu'il y a un papa, il y a une de ses nièces qui est venue habiter avec le couple, son couple. Et le papa a commencé à sortir avec sa nièce. Et il a rendu enceinte sa nièce sans que sa femme le sache. Lorsque sa femme a commencé à demander, mais la grossesse ici, ça vient d'où? La fille ne pouvait pas parler. Et le couple est allé dans une autre ville. La petite nièce avec cet enfant-là, qui était finalement l'enfant de son oncle, ne savait pas comment nourrir cet enfant. Il l'envoie chez son oncle pour que son oncle l'élève. Donc, sa femme, la femme de ce monsieur-là, pensait que c'était la fille, c'était parce que c'était une fille, la fille de la nièce de son mari. Alors qu'il s'agissait de l'enfant de son mari. Et cet enfant-là commençait à grandir avant d'atteindre la maturité. La majorité, il était encore mineur, ce papa-là commençait maintenant à abuser de cette fille. Mais excusez-moi, je vais me placer en tant que journaliste et vous poser la question. Est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas changer le système de... On a les enseignements, on a les prédications du dimanche où on vient, on écoute et souvent on se rend compte que on écoute le dimanche et quand on rentre chez soi, on oublie beaucoup de choses. Est-ce que les cours bibliques, les enseignements ne devraient pas être plus assidus? C'est pour cela que nous pensons que la Bible, on ne doit pas retenir par cœur, parce qu'il y en a qui sont devenus spécialistes. Oui, Matthieu 7, 10, voilà. Ceci. Ben c'est bien, mais ce n'est pas ça l'important. Mm-hmm. L'important, c'est de comprendre la profondeur de la parole. Pour revenir à ce cas-là, cette personne a commencé à sortir avec sa fille, puisque c'est sa fille. Oui.
jusqu'à ce que la fille excédée, pendant 5 ans, excédée, est allée dénoncer. On a arrêté son père. Elle ne savait pas que c'était son père. Enfin, les gens ont pu finalement, dans la famille, vous trouvez que c'était un peu anormal. Et il a été mis en prison, ici, en France. Il a fait passer plusieurs années en prison. Mais j'ai dit ceci pour dire que, quand vous êtes dans une situation pareille, vous êtes dans une situation de captivité. Un homme normal ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes dans une situation pareille, vous ne pouvez pas rester là, les bras croisés, et continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc, il est important pour chacun de nous d'analyser sa vie. Comment est-ce que ma vie est structurée? Comment est-ce que ma vie évolue? Vous allez remarquer qu'il y a des situations bizarres. S'il y a des situations bizarres, ça veut dire qu'il faut chercher des solutions. Prenons le cas du malade là de la piscine. On nous a dit qu'il a passé 38 ans de maladie. Est-ce qu'on nous a dit qu'il était chez lui à la maison? Non. Il est allé là où il y avait la solution. Mm-hmm. Il n'est pas resté à la maison. Il a su que là, à la piscine, c'était un lieu où il y avait la guérison possible. Et il est allé aussi tenter sa chance. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à atteindre ces niveaux. D'abord parce que nous ne pensons pas que nous sommes malades. Lorsque tu vois des situations bizarres dans ta vie, il faut savoir analyser. Si tu analyses que tu trouves, non, ça c'est pas normal. Comment se fait-il que... Il faut savoir que tu es dans une situation de captivité. Mm-hmm. Et là, comme nous avons lu dans la deuxième lecture, Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Donc, si tu es dans un état de captivité, la solution t'est donnée. Il faut aller vers Jésus. C'est ça l'élément fondamental de la démarche. Il faut arriver à aller vers Jésus. Ce qu'il faut savoir, ce malade ici, pensait que lorsque la personne là qui ne connaissait pas, il ne savait même pas que c'était Jésus, lui demandait, veux-tu être guéri? Lui, en fait, il voulait dire, bon, quand il disait que moi je n'ai personne pour, quand l'eau bougeait, il n'y a personne pour me jeter, il voulait dire, mais toi, comme tu es vraiment, tu as pitié de moi, reste ici. Il avait ça en tête. Comme ça, si l'eau bouge, tu me jettes dans l'eau. Mais il ne savait pas que Dieu, la solution de Dieu, ce n'est pas nos solutions à nous. Mm-hmm. Lui avait sa solution. C'est sa solution. Et nous, ce que nous voulons, c'est que Dieu puisse faire ce que nous voulons comme solution. Alors que les solutions de Dieu ne sont pas les nôtres. Ici, on voit le cas de ce malade qui s'attendait à ce que, bon, on le jette dans l'eau pour qu'il ait la guérison. Mais Jésus lui dit autre chose. Mm-hmm. Prends ton lit et marche. Mais quelqu'un d'autre lui dit, mais enfin, tu blagues ou quoi? Mais lui, il dit non. Il prend son lit et il marche. Oh, bon, tiens. Et il marche, il commençait maintenant à tirer. Oh, mais toi, comment? Jésus qui apporte la solution. Donc, la solution des dieux, ce sont des solutions qui ont l'air parfois... je dirais, allez, surprenante. Et est-ce qu'on ne doit pas se dire aussi que parfois, on pense que cette solution est là où tout le monde la cherche, et ils la cherchaient, ils attendaient l'ange, mais or que la solution est arrivée de Jésus. Donc, c'est-à-dire que parfois, on cherche la solution ailleurs, alors qu'elle est tout près de soi, et pas là où on l'attend. Voilà. Parce que là, cette situation-là,
c'est justement ce que Jésus voulait donner comme leçon aux autres. Nous voulons, nous, enfermer Dieu dans un schéma. C'est, malheureusement, c'est ça. La plupart d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Lorsque tu veux te marier, et tu veux que ça soit comme ça. Mais tu peux être surpris que ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu voit que ce n'est pas ça la solution pour toi. Vous voyez les solutions de Dieu. Prenons le cas de Naaman, ce général syrien là. Il était malade, lèpre. Il vient, l'homme de Dieu lui dit, non, va te jeter cette fois dans la rivière. Lui, il dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas de rivière plus grande que ça chez nous pour que j'aille? Je pensais qu'il allait me toucher, prier pour moi, et il me dit seulement d'aller me jeter dans la rivière, me laver. En tout cas, non, ça je ne ferai pas. Il a fallu cette petite fille qui était sa domestique pour dire, mais chef, mais si c'était des choses compliquées, hein, on pourrait comprendre, mais on te dit seulement d'aller, quel est le problème? Vas-y. Et le général est allé, se laver cette fois. Quand il est sorti, la septième fois, là, il est sorti de l'eau, il n'y avait plus de lèpre. Mais les solutions de Dieu sont des solutions compliquées à comprendre. Compliquées à comprendre. On avait un frère qui avait des problèmes au niveau de l'estomac, tout ça. Dans des prières, le Seigneur nous révèle qu'ils mettent seulement de l'eau, prennent de l'eau, et puis qu'ils mettent du sel dedans. Et qu'ils boivent. Après la prière, qu'ils boivent. Ah bon. Si quelqu'un n'a pas la foi, est-ce qu'il peut faire ça? Non. Et il a fait ça. Il a été guéri. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que Dieu a la solution. A la solution pour ton maladie. A la solution pour toute situation compliquée qui nous arrive dans notre vie et qui peut affecter notre cœur. Lorsque notre cœur est brisé, notre cœur est à un niveau où on commence à désespérer de la vie. Ce monsieur-là, 38 ans, vous vous rendez compte? 38! Nous déjà, quand c'est un mois déjà, tu commences à dire déjà, 38 ans! Et il était là, patient, en train d'attendre. Et il était dans des bonnes dispositions. Pourquoi Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Parce qu'on ne peut pas guérir quelqu'un contre sa volonté. Même quand vous allez chez un médecin, si vous ne faites pas ce que le médecin vous dit, vous ne serez pas guéri. Donc, Jésus voulait que lui puisse lui-même accepter des chemins, veux-tu être guéri? Ça veut dire, tu acceptes, oui ou non? Et lui, il a dit, Seigneur, il a parlé de façon tout à fait responsable, mais... Et Jésus a trouvé la solution. Ça, c'est un élément fondamental. Oui, vous pouvez me dire que les hommes aussi peuvent trouver des solutions. Mais nous pouvons voir dans d'autres lectures que les solutions de Dieu, c'est des solutions de Dieu. Peut-être qu'on peut lire les autres passages de prévus aujourd'hui. Tout à fait. Nous pouvons aller, vous et nous, au chapitre 8 de Luc, versets 43 à 48. Donc Luc 8, 43. 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?»
Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu une force, j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Et l'autre lecture, pour terminer. Donc pour la prochaine lecture, nous sommes à Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 18. Donc, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à la même heure. Voilà. Nous avons deux situations. La première situation, c'est une femme avec perte de sang pendant 12 ans. Elle a dépensé son argent chez les médecins. Pas de guérison. Mais le fait d'avoir été en contact avec Jésus, rien que toucher l'habit de Jésus, la guérison a été instantanée. Toucher l'habit de Jésus. Est-ce que ça arrive à toi de toucher l'habit de Jésus quand tu as un problème? Est-ce que tu fais cette démarche de dire, je vais toucher la vie de Jésus? Tu touches l'habit de Jésus, comme cette femme l'avait fait. Peut-être que tu penses que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Je veux vous faire part d'une situation que nous avons vécue. Lors des séminaires organisés il y a une vingtaine d'années, c'était sur la foi. Et j'avais la responsabilité d'animer ce séminaire-là. Le dernier jour, j'ai demandé à ceux qui étaient dans la salle s'il y avait quelqu'un qui voulait s'adresser à Dieu de façon spéciale pour avoir sa guérison. Alors il y a une femme qui s'est présentée. Alors, j'ai tendu l'oreille, elle m'a dit, ça fait 3 ans que j'ai une perte de sang. Mais je ne peux pas dire ça devant tout le monde, j'ai honte. Alors, si Dieu peut me guérir, je serai vraiment fidèle à Dieu. Alors, je lui ai dit, tu connais l'histoire de la femme qui avait touché l'habit de Jésus? Elle dit, oui, je connais. J'ai pris ma Bible. Je lui ai demandé de toucher la Bible. Je lui ai dit, la Bible que tu vois ici, ce n'est plus la Bible, c'est l'habit de Jésus. Nous allons prier. Si tu as la foi, tu as suivi le séminaire pendant 2 semaines sur la foi. Si tu as la foi et tu penses que Jésus peut te guérir, comme cette femme-là, tu seras guéri. C'est là où la foi intervient aussi, dans toute guérison. J'ai prié pour cette femme-là. Et après la prière, elle devait rentrer là où elle était assise dans les bancs. Et le sang s'est arrêté pendant qu'elle allait s'asseoir vers son banc.
Elle est venue me dire ça un jour après. Voilà ce qui s'est passé à moi. Alors je lui ai dit, alors il faut venir témoigner. Je dis, mais je vais dire à tout le monde que j'avais le sang. Vous voyez, ça va faire honte. J'ai dit, mais il faut vous rendre gloire à Dieu. Mais ce que je voudrais vous dire, ça c'est un fait vécu par moi-même et par l'assemblée dans laquelle on avait fait ce séminaire. Donc ce qui se passe, ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Si nous nous mettons dans les conditions dans lesquelles ces éléments-là sont intervenus il y a 2000 ans, aujourd'hui nous pouvons aussi avoir des guérisons de cette nature. Donc Jésus est au-dessus des solutions humaines en matière de guérison. Et la dernière lecture se réfère à une famille. Il y avait un enfant qui a des démons. Et les parents sont allés vers les apôtres et n'arrivaient pas à les guérir. Finalement, ils l'ont emmené. Ils sont allés chez Jésus. Alors Jésus, qui se fâche d'abord contre ses collaborateurs, si je peux appeler ça comme ça. Et ensuite, fait que la guérison est intervenue immédiatement. Vous voyez la force de Dieu dans la guérison. Dieu est au-dessus de tout. Dieu connaît tout. Tout ce qui est dans notre corps, Dieu connaît. Donc si nous allons vers lui, tu vas arriver chez le médecin, il va dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la maladie était là, la maladie est partie où? C'est ça la puissance de Dieu. Et lorsque vous remarquez dans les passages que nous avons lus aujourd'hui, le monsieur qui était à côté de la piscine n'avait personne. Donc, il était désespéré. Toi aussi, qui me regardes maintenant, tu es peut-être désespéré. Tu dis que tu n'as pas de solution, tu n'as aucun soutien dans ta vie. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme. Il avait fait des demandes d'emploi partout. Il n'arrivait pas à avoir d'emploi. Parce que tout le monde disait, il faut connaître des autorités. Si tu n'as pas de relations, tu n'auras rien. C'était un grand mécanicien. Mais il voulait aller travailler dans une grande société, tout ça. Mais il a demandé, il a fait tout, mais n'arrivait pas à trouver un emploi. Un jour, il s'est retrouvé devant quelqu'un qui était dans une petite voiture, et qui était tombé en panne non loin de là où il travaillait. C'était une grande autorité de ce pays-là. Mais comme les autorités veulent parfois passer inaperçues, il avait pris une petite voiturette, s'était habillé en jean et tout ça pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et les garçons a pu faire ce qu'il a pu faire pour que le monsieur soit dépanné. Et il lui a demandé, vous travaillez ici? Oui. Ah bon? Ça marche ici? Oui, ça. Il n'a pas voulu dire qu'il a fait des demandes et tout ça. Donc, il s'est dit, oui, on travaille. Et votre patron, il est bon. Il a commencé à lui poser quelques petites questions. Finalement, il a quand même eu son contact. Le mois qui a suivi, ce garçon a été appelé et il est devenu responsable d'un grand garage au niveau de l'État de ce pays-là. Je ne vais pas citer des pays pour éviter peut-être d'autres interprétations. Ça montre quoi? Pour que Jésus puisse te guérir, il n'a pas besoin que tu puisses avoir des relations avec des autorités de ceci.
Le monsieur qui était au bord de la piscine ne connaissait personne. Mais Jésus est allé vers lui. Donc aujourd'hui, Jésus peut venir vers toi. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui seulement ton cœur. Et lui va agir. Excusez-moi. Effectivement, lorsque Jésus dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et là, quand on revient donc au dernier verset, Jésus est fâché lorsqu'il dit « Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Donc, est-ce que là, il ne renvoie pas au fait que ta foi en moi peut te sauver, mais n'attends pas que je vienne vers toi ? Mais justement, ça dit que Jésus, nous avons toujours dit, c'était un grand éducateur, un grand évangéliste et un formateur. Parce qu'il a appris à ses disciples comment même chasser les démons. Il leur a dit, voilà, vous devez faire ceci, ceci, cela. Mais lorsque les gens viennent dire que nous avons été chez tes disciples, ils n'arrivent pas. Mais il ne peut pas être content. C'est comme si la leçon n'a pas été bien apprise. C'est pour cela qu'il réagit comme ça. Jusqu'à quand je serai toujours avec vous. Effectivement, il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie qui pensent toujours que bon, papa est là, maman est là, et ils font aucun effort pour apprendre. Et les jours où papa n'est plus là, maman n'est plus là, c'est la catastrophe. Tout à fait. Donc Jésus, en tant que responsable, voulait donner une leçon aussi à ses disciples. Et ceci est important pour la formation de chacun. Très bien. De croire en Jésus, mais de ne pas toujours attendre. Il faut prendre croire. Son lit et de marcher seul, d'y croire. Oui, oui, bien sûr. Si le monsieur à qui on a dit « prends ton lit et marche » n'avait pas pris son lit, il ne serait pas en train de marcher. Donc, dans toute guérison, il y a une part de soi-même. Je vais un peu prendre un exemple un peu hors Bible, mais je peux parler de certaines personnes qui sont guéries grâce à des placebos. Parfois des plantes, on leur dit tu vas boire ça, tu vas être guéri parce que ça va faire telle chose dans ton organisme, mais en fait c'est que dans la tête de la personne, mais parce qu'elle y croit, elle est guérie. Oui, ça peut être ça, mais ce qui est important à savoir, c'est que la guérison ne vient que lorsque on a un minimum de foi en ce qu'on fait. Donc sinon, ça ne marche pas. Très bien. Donc il faut retenir cela. Et toute personne qui ne croit pas à cela, eh bien, on peut te recommander beaucoup de choses, mais la guérison n'arrivera pas. Très bien. Merci beaucoup. Donc nous tentons vers la fin de l'émission. Donc rapidement, pour clôturer. Pour clôturer, je vais dire que il n'y a pas une maladie qui soit au-dessus de Jésus. Ce qui est important pour toi, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de vivre selon ses recommandations, d'avoir une vraie vie de prière. Et à ce moment-là, tu verras. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. C'est ce que je peux dire. Amen. Amen. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été là avec nous. Merci à vous, Monsieur Herman Muntima. J'espère vous retrouver très très bientôt pour pouvoir partager sur un prochain thème biblique très édifiant. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Communiquer à l'international au-delà du Congo et de l'Afrique. Une seule chaîne, c'est direct. Diffusé en France par Freebox, canal 449. Molotov TV. Le bouquet africain en Europe. Évidemment sur le continent africain. Canal Plus Afrique, canal 334. La TNT de Canal Plus, Easy TV, canal 3. La seule chaîne privée congolaise, suivie par la diaspora africaine et congolaise en France et en Europe. Le Congo vu du monde, le monde vu du Congo. C'est direct, première chaîne mondiale des deux Congos.